Allez. On est parti? Alors, on est parti. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, c'est vrai qu'il a dit qu'il était pas là, qu'il avait posé un jour enfant malade. Qui, Emmanuel? Ouais. Il a posé un jour enfant malade. Oui, il a posé un jour enfant malade la semaine dernière. Et, bah, et là aussi? Il a dit que sa fille serait malade le mardi d'après. D'accord. Ah bon, on les connaît, les petits malins. Hein. Oui, oui. Mais il a même pas de fille. Et en plus, il a pas de fille. Ah, il est très malin. Il est très malin, le bougre. Ah, mais ça, c'est les fonctionnaires. On a l'habitude. Tu poses tes jours de congé, tu poses tes RTT, tu poses tes jours de récup, tu poses tes jours enfant malade. Je vais poser un jour de travail. Pardon ? Je vais poser un jour de travail. C'est vrai que ça ira peut-être plus vite de poser des jours de travail. Tout à fait. Et on a le droit à des jours, si on pose bien les jours de congé en plus. Oui, t'as le droit à des jours en plus. Si tu poses bien tes jours de congé, oui. T'as le droit à des jours de congé supplémentaires. T'as les jours de fractionner. C'est ça. C'est le bonus, moi. Si tu poses bien, les miens. La magie. Je suis dans le privé, moi, on ne parle pas de ça. Ah mais normalement, ça existe aussi dans le privé, hein, les jours de fractionnaire. Officiellement. Tu fais pas des heures sup. Pas payé par là, c'est bizarre. Nous, on fait des heures sup. Les heures sup, c'est rigolo. Ouais. Bah oui, évidemment. L'altruisme, générosité. Ouais. C'est pas la même mentalité. Tu fais ça quand t'es jeune, après tu fais... En fait, je me fais avoir, non? Ah oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, tu vas dans la fonction publique, et là, dans la fonction publique, c'est... On te dit, mais prends des gens de congé, si tu prends bien, je t'en donne d'autres. Ma femme, elle y est dans la fonction publique, et au début, on posait nos vacances, machin, puis elle dit, mais attends, mais tu peux pas venir avec moi, là, on va en vacances à Pâques. Je lui dis, mais moi, j'ai posé tous mes congés, j'ai posé mes 5 semaines. Quoi? T'as pas 8 semaines comme tout le monde? C'est ça, bien sûr. Oui. Alors, c'est l'inverse, mon amour. C'est toi qui en as plus que les autres. C'est toi qui es resté à l'école. Nous, parce qu'il y a l'école, oui, parce que nous, non. Non. Les gens normaux qui travaillent, eh ben, on a que 5 semaines et c'est déjà pas mal. Regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays. Tu vas voir qu'on est. On est très très bien déjà avec 5 semaines. Mais non, et encore, c'est 8 semaines officielles. Les RTT, t'as plein de jours de RTT en plus, les jours de récup en plus, les jours pas de carence quand t'es malade. Ah là, il faut être fonctionnaire. Ah, je vous le conseille. Moi, c'est les rêves que je voudrais pour mes enfants. Vous voulez faire quoi? Devenir quoi? Vétérinaire, médecin? Non, employé de bureau dans une mairie, c'est très bien. Oui, mais c'est pas grave, tu peux avoir 2 métiers. Avec tous les jours de congé que t'as, tu peux faire un 2e job. Ah ouais, tu peux cumuler les emplois. On n'est pas fatigué à l'époque. Ah bah si tu veux, là t'étais... Il y en a qui étaient chaud patate hein, sur le fini parti là. Tu deviens Reaper. Reaper c'est les éboueurs. C'est fini parti. Okay. Les mecs ils bossent de 6h à 8h. À fond. Et à présent 2e job. Et voilà. Ah ouais, ils sont bien. C'est pour raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, bah, y a personne qui va passer ce matin, hein, ça va. Ça va, je suis gentil avec vous. Ça a été... vous avez... Je sais pourquoi je vous pose la question. Non, le week-end s'est mal passé, bien sûr. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, c'était prévu. C'était prévu. T'es? J'ai buté sur l'exercice et je bute encore et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas. Ah, parce que t'as fait une erreur. Sûrement. Où c'est les lutins? Ah, il vient chez nous maintenant. Ah oui, c'est à domicile. Domicile. Le lutin à domicile. Alors là, par contre, moi, je peux pas délutiner à domicile. Hein. Pas savoir. Mais forcément, il y a une boulette. C'est exactement ça. Donc, c'est ce qui est arrivé la plupart du temps. Il faut la trouver. Ben oui, c'est ça. Ah bah oui, mais il faut chercher. Eh ben, il faut mieux chercher, alors. Et sur Hypervue, on fera encore d'autres exercices avec des VM, encore plus de VM, ou c'est déjà pas mal? Encore plus de VM, je sais pas, parce que là, vous en avez combien à la fin? Mon PC commençait à suer, mais il a réussi à tenir. Mais si tu en rajoutes encore un peu... Je peux parler? Vas-y. Merci. Il y avait combien de VM, là?
Là, en VM, il y avait 3 routeurs, plus 4... 4 routeurs. 4 routeurs. 4 routeurs, 4... serveurs. Serveurs et 3 clients. J'en ai mis... 7, ah si, si, normalement, on fait plus. Ah ouais, ouais. À un moment donné, on va faire plus. Il faudra tous les allumer en même temps. Ouais, ce sera mieux qu'ils soient tous allumés en même temps. Bah, pour le moment, il tient, mais je sais pas si... Poser la question si j'en Alors, c'est quand on va faire RDS. Ah oui, là, ça va RDS, c'est la plus grosse maquette qu'on va faire. Donc là, 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 il va y en avoir. Là, 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 autant dire qu'il va y avoir du monde. Donc c'est pas tout de suite RDS, c'est sur la fin. C'est l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Voilà, ajoute de la mémoire vive. Mais il a combien de mémoire vive ton PC? T'es à 16. Ah bah c'est pour ça. Ah oui, non mais c'est tombé là. C'est... Ah bah oui, t'es au taquet. Bah je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit qu'il fallait 32. Non mais voilà. ça va encore. Mais je sens que oui, il y a Ah bah oui, là, non. RDS, tu pourras pas le faire. Ouais. Et oui. Oui, parce que c'est des serveurs qu'il faudra surtout. Ah, merde, ça serait une bonne excuse pour avoir un PC gamer. Voilà. Et il faut une 6090. Ah, mais je suis obligé. Ouais, il faut. Deux. Tu les mets, ouais, c'est l'île. Par contre, ça rentre pas dans la. Si, ah, vous changez le boîtier, il faut tout changer. Ouais, hein, là, c'est... Mettre, et en plus, il faut un portable. Il faut du RGB, je suis désolé. Okay. Ah oui, c'est le refroidissement liquide obligatoire pour RDS. Ouais, ça, c'est... Mais si tu veux, je te fais une ordonnance. Je te fais une ordonnance, comme ça t'as un mot du médecin, tu dis ah bah je suis, voilà. Je suis désolé. Par contre, va pas l'acheter à la pharmacie, hein. C'est pas fou. Mais non, je suis désolé. C'est obligé, c'est pour la formation. Ah ouais. 3 écrans minimum. Enfin, à la fin, tu vas mal le vendre, hein, parce que si tu prends la formation, alors que c'est à la fin qu'on fait cet exercice, elle va te dire oui, bah il te reste un mois, donc tu vas faire avec SSGG, je m'en bats les reins. Ah non, mais si tu veux, je te fais carrément une fausse ordonnance alors. Par contre, si elle voit que j'ai un volant entre les 3 écrans, elle va se dire ça, c'est pas du travail. Ah, faut qu'on trouve. Mais si, c'est pour les routeurs. Pour la route. Et comment tu roules sur la route? Faut un volant pour alors, le routeur. Sur le premier routeur, je vais sur le deuxième. Deuxième routeur, voilà. Par la voilà. Tu lui dis, ça, on appelle ça du serious gaming. C'est le serious gaming t'apprend en jouant. En fait. Elle ne sera pas dupe. Elle ne sera pas dupe. Non. Bah, désolé. Enfin, si t'as besoin, je peux t'aider. On peut essayer de trouver quelque chose. Alors, donc, Windows, cette semaine. Enfin, 4 jours restants. Alors, pour commencer. Alors, j'ai même pas vérifié si ça streamait. Oh, j'ai même pas mis le chat, ça y est, moi je suis perdu. Il va falloir que je remette les choses comme il faut. Alors, le chrono. Et le chat. Ah! Oh, salut petit topo. Alors, je tiens. Nous allons faire un peu d'histoire. Et l'histoire de qui? Eh bien, l'histoire de Windows, bien évidemment. Le système que vous allez certainement le plus utiliser. Eh oui, c'est bien matinal. Si je fais un petit sondage auprès de tout le monde, quel est le plus vieux système d'exploitation, je parle, que vous ayez utilisé? 95. Windows 95. Ouais. Est-ce que quelqu'un a fait avant? Oui. Oui, alors malheureusement, Windows 98, c'est après 95. Donc la question que j'ai posée, c'était avant. Temporellement, je voulais dire. Non, pas ce problème. Pas ce problème. Donc tout a commencé dans un garage. Lui aussi. Tout a commencé dans... Pas du tout. Tout a commencé dans un bureau. Ça a commencé dans un bureau où Bill Gates a été contacté par IBM. Est-ce que vous savez qui c'est IBM?
Oui. C'était à l'époque le plus gros fabricant d'ordinateurs du monde. Mais eux, leur spécialité IBM, c'était de faire des serveurs, faire des gros systèmes. D'ailleurs, ça s'appelait les gros systèmes IBM. C'était des ordinateurs, vous avez certainement vu les photos, ça remplissait une pièce entière. Pour un truc moins puissant que nos montres d'aujourd'hui. Ou nos calculettes, même nos Tamagotchis, ils sont plus puissants que ce que faisaient les ordinateurs de l'époque. Et donc, IBM, ils faisaient des gros systèmes, mais ils voulaient se diversifier et ils voulaient faire les PC. Ils voulaient fabriquer des ordinateurs plus petits, sauf que eux, ils savaient faire du hardware, ils savaient les fabriquer, mais ils n'avaient pas le système d'exploitation. Et Bill Gates leur a dit, oui, moi j'en ai un. Je peux vous fournir un système d'exploitation pour vos ordinateurs personnels, les PC, personal computer. Et bien sûr, Bill avait que dalle. Il n'avait rien du tout. Il avait entendu parler d'un mec qui, dans son garage, avait développé un système d'exploitation. Et Bill, il est arrivé et il lui a racheté pour 10 000 dollars. De l'époque, une belle somme, hein, de l'époque. Et donc, il a racheté ce système-là, il a estampillé Microsoft et il l'a revendu à IBM. C'est un très bon commercial. C'est ça le principe du commercial. C'est mettre en relation des gens qui n'auraient jamais été en relation sans lui. Et le système qu'il a vendu, ça s'appelle le DOS. Ça veut dire Data Operating System. Donc les tout premiers systèmes d'exploitation des tout premiers PC, c'était le DOS qui était dessus. Le DOS, bah vous savez ce que c'est, hein ? Le DOS, c'est ça. Quand vous faites ipconfig, ping, machin, vous êtes dans ce qu'on appelait pendant longtemps une émulation MS-DOS. On appelle ça aujourd'hui l'invite de commande, c'est CMD. Mais à l'époque, donc quand ces fameux PC IBM sont sortis, il n'y avait que ça. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de souris, pas de GUI, rien du tout. Tout se tapait en ligne de commande. Tous les logiciels se lançaient comme ça. Avec un IBM computer. Alors au début, il n'y avait que ça. C'est eux qu'on... Oui, oui, ils vendaient. D'ailleurs, le DOS qu'il y avait dessus, il portait un nom, il s'appelait IBM DOS. C'était l'IBM DOS qui était installé sur les ordinateurs fabriqués par IBM. Et le software, le système d'exploitation, il était fourni par Microsoft. Donc autant dire que c'est là que Bilou il a commencé à se gaver. Mais IBM qui fabriquait ses PC gagnait beaucoup d'argent avec ça, parce qu'il n'y avait que ça qu'on pouvait acheter. Il y a d'autres constructeurs qui se sont dit, on aimerait bien fabriquer des PC aussi. Et il y a d'autres constructeurs qui s'y ont mis. Vous connaissez Dell, NEC, Amstrad. Il y a plein d'autres fabricants qui se sont mis à faire, alors ça s'appelait des PC compatibles. Compatible quoi ? Compatible IBM. C'est-à-dire que les composants qu'il y avait dedans, ils étaient compatibles avec les composants d'IBM. Parce que IBM, il ne fabriquait pas tout. Il fait par exemple, IBM, c'est pas un fondeur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fondeur ? C'est quelqu'un qui fond des choses dans un four très chaud. C'est ceux qui fabriquent les processeurs. Vous avez des processeurs dans vos ordinateurs. Vous avez des puces, des i5, des i7. Le fondeur le plus connu aujourd'hui, il s'appelle comment ? Intel. Intel, c'est un fondeur qui, à l'époque, fabriquait les puces pour les ordinateurs IBM. Mais pas que. NEC, Dell, les autres, ils se sont dit, nous aussi, on voudrait fabriquer des PC. Ben, ils ont demandé à Dell, Intel, de leur fournir des processeurs. Donc, Intel, ils fournissaient des processeurs pour IBM, pour NEC, etc., pour les autres. C'était pareil pour les cartes son. Son Blaster, ça vous évoque quelque chose ? Pour les plus anciens d'entre nous, on avait des cartes son Blaster qui fonctionnaient sur IBM et sur les PC compatibles. On avait des cartes vidéo, etc., etc. Nvidia, tout le monde connaît. Ça va, Nvidia, c'est bon ? Mais Nvidia, ils faisaient des cartes vidéo pour les IBM et pour les autres. Donc on avait le choix à un moment donné, sauf que ces PC compatibles, il leur fallait un système d'exploitation. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas mettre l'IBM DOS. Parce que l'IBM DOS, il fonctionnait que sur les ordinateurs IBM. Et bien donc, en parallèle de l'IBM DOS, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le DOS tout court.
Le dos fabriqué par qui? Je vous le donne en 1000. Et 1000. Ah, pardon. Et B. Je me réveille ce matin. Ce qu'on a appelé le MS-DOS. MS, ça veut dire Microsoft. Donc, au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient dans Stan Smith au pied. Non, regarde, non, c'est pas grave. Alors, c'est une chanson marseillaise, tu devrais la connaître, toi. Sérieux, tu devrais connaître la suite. Et donc, il y avait bah, des gens qui achetaient des ordinateurs IBM, des PS1, des PS2, c'était ça le nom des modèles, avec un IBM DOS dessus. Et il y a des gens qui achetaient des PC compatibles, fabriqués par NEC, par Amstrad, Atari, il y a plein d'autres constructeurs qui s'y ont mis. Non, peut-être pas Atari quand même, Amstrad. Et eux, ils avaient un MS-DOS dessus. Donc il y avait un petit peu la guerre entre les deux, qui n'a pas duré bien longtemps. Le IBM DOS n'a pas perduré très longtemps, vu que bah, sur le marché, les ordinateurs compatibles IBM étaient beaucoup moins chers que les ordinateurs IBM. Donc très vite, bah, les gens ils ont acheté des PC compatibles, on les a assemblés nous-mêmes, on achetait les composants individuellement, on les montait nous-mêmes, ça coûtait beaucoup moins cher. Vous avez une idée de combien coûtait un PC à l'époque ? Juste le matériel. Hein. Combien ? 10 000 dollars. Ça fait beaucoup quand même, 10 000 dollars, mais c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Et ça coûtait très cher. Si tu le ramènes en francs aujourd'hui, t'avais rien en dessous de 2 000 euros. Il fallait mettre au moins 2 000 euros pour avoir un PC minimum. Donc c'était plutôt 2 000, 3 000, voilà, t'étais dans les 10 000 dollars, mais c'était très cher. Ça coûtait très cher. Mais ça a commencé comme ça. Et donc, vous aviez ces petits DOS. Donc, les plus anciens d'entre nous ont connu le DOS. Ont connu les premiers PC dans lesquels il y avait juste le DOS. Puis, alors, la dernière version, il s'appelait le DOS 6.22. Il y a eu le DOS version 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces systèmes d'exploitation sont des systèmes 8 bits. Qu'est-ce que ça veut dire un système 8 bits ? Ben, ça veut dire qu'il peut traiter des blocs d'informations de 8 bits à la fois. Les mots hein, pour le MS-DOS, c'était 8 bits. Donc, c'était pas super performant. Mais les tout premiers processeurs, c'était des processeurs 8 bits. C'est pour ça que le système était 8 bits. Ça allait avec. Et rapidement, sont apparus les premiers Windows. Alors, vous me l'avez dit, le plus vieux Windows avec lequel vous ayez travaillé, c'était Windows 95. Et bien, avant, il y a eu Windows, il y a eu du 1.0. Il n'est pas sorti en France, hein, le 1.0. Il y a eu le 2.0. Celui-là, il est sorti en France. Mais vraiment, c'était pas terrible, hein. Il y en a eu très très peu. Celui qui a vraiment été connu, c'est Windows 3.10. Si vous aviez des 3.10 ou 3.1, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est celui qui a vraiment démocratisé Windows. Et ce Windows 3.10, c'était censé être un Windows 16 bits. Alors c'est faux. Il va falloir que je le mette entre guillemets, 16 bits. Parce qu'en fait, derrière ça, vous aviez le DOS. Je vous explique ce qui se passait. Alors, ça va peut-être pas vous parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des disquettes ? Oui. C'était avant les CD ? Les disques souples. Ah oui, les disquettes souples, mais enfin, c'était que des disquettes souples, tout ça. Et donc, à l'époque, pour installer Windows 3.10, il fallait 11 disquettes. 11 disquettes pour les installer. Les trois premières, c'était le DOS, en fait. Quand vous installiez Windows 3.1, vous commencez par installer le DOS, donc le MS-DOS, hein, celui d'avant, le 8 bits, et par-dessus, il venait rajouter un GUI, une interface graphique au-dessus du système d'exploitation, en fait. C'était une surcouche, en fait. Ce qui a commencé à faire de la merde. C'est à cause de ça que Windows est instable, parce que c'est des couches empilées les unes sur les autres. Mais le noyau, c'est un noyau 8 bits. DOS. C'est un noyau DOS.
Enfin, c'était un noyau d'os à l'époque. Pour Windows 3.1. Il a été remplacé par Windows 3.11. C'est celui qui était le plus connu à l'époque, qui a vraiment fait un carton, si je puis dire. Et c'est toujours un 16 bits, hein, ça n'a pas changé. C'est toujours de la merde. Mais, eh ben, ça a le mérite d'exister. Grâce à ça, grâce à Windows, les PC se sont démocratisés. On a pu les utiliser facilement. Parce que sur Windows 3.1, Windows 1, Windows 2, vous aviez la souris. Vous avez l'interface graphique. On peut pas piquer ça à Apple, des icônes. Là. Vous pouvez. Pardon ? C'était pas Apple qui avait fait la souris, je sais pas quoi, il y avait une histoire là, sur la. Non, là tu parles de l'interface graphique. Justement, l'interface graphique qui communique avec le noyau, c'est Xerox qui l'a fait. D'accord. C'est pas du tout Apple. L'histoire, c'est que Xerox, ils fabriquaient des copieurs. Leur métier, c'était des imprimantes, même plutôt à l'époque, et des copieurs. Et ils ont une partie recherche et développement, où ils essayent d'améliorer leurs copieurs, etc. Et les ingénieurs du ressource et développement, ils ont inventé l'interface graphique, et ils voulaient le mettre en place sur les copieurs. Et le président de Xerox, il a dit, c'est quoi cette merde ? Non mais nous, on vend des copieurs. C'est quoi, c'est pour des ordinateurs, votre truc ? C'est quoi des ordinateurs ? Et il a dit, je connais un petit mec là qui s'appelle Steve, là dans son garage, il bricole, vous allez lui donner. Donc, ils ont appelé Steve, ils ont dit, bah viens chez nous, on a un truc à te filer parce que nous on le jette. Et ils lui ont donné l'interface graphique à Steve. Steve, il a rien inventé, hein. On lui a donné. Alors ce qui est génial, c'est que lui, c'est même pas un bon commercial. C'est tombé du ciel, il est béni des dieux. On lui a fait, tiens, voilà, à l'avenir, on te le donne. Mais votre patron, là, les ingés de Xerox, ils étaient dégoûtés. Il a dit, tiens, bah voilà. Et donc il a fait, bon, bah super, on va vendre ça. Et c'est parti. Et la souris, la souris, c'est l'université du Michigan, je crois. C'est un scientifique d'une université américaine qui a inventé la souris. Okay. Voilà. Et elle est dans le domaine public. Il a même pas de brevet dessus, que dalle. Il n'y a pas un Apple qui est sorti le premier avec la souris au milieu, je sais pas quoi, pour le... Avec la souris au milieu, ouais, au milieu. Non, tu veux dire la souris au milieu de l'écran comme ça, là y a c'est chiant au milieu de l'écran. Il y a la bille sur le clavier, là. Quoi? Il y a l'ordinateur, il y a le clavier comme ça, là, et il y a la bille qui est au milieu, là. Et c'est le premier Apple, j'ai vu ça, là, c'est un truc. Ah, comme c'est des trucs Apple, t'as peut-être raison, parce que c'est pas vraiment un monde qui m'intéresse. Moi, je travaille dans le monde professionnel, donc les trucs de gens qui ont des choses à compenser et qui ont besoin de montrer à tout le monde, je suis gavé de thunes. Mais ça m'intéresse pas trop. Donc, t'as peut-être raison. Non, mais j'ai peut-être qu'il y avait ça. Mais la souris, c'est pas du tout Apple, l'interface. Enfin, Apple n'a rien inventé. Non, ils ont rien inventé. De rien. Ils ont. Même toutes les recettes qu'ils utilisent, tout ce qu'ils utilisent, c'est d'autres personnes qui l'ont fait avant eux. Regarde, le marketing, le fait de. Le signe ostentatoire extérieur de richesse, dire j'ai 1600 euros dans mon téléphone. C'est ça leur fonds de commerce. Ça s'appelle le luxe. Luxe, le parfum, ne se vendrait pas aussi cher s'il n'était pas aussi cher. C'est comme les montres, voilà, c'est comme le vin. Le vin, c'est du jus de raisin fermenté. Mais j'ai posé une bouteille de Haut-Brion sur la table. Il y a 1000 euros dans la bouteille. Ça ne sert qu'à ça. Ça, c'est le luxe qui a inventé ça. Quand tu regardes les malles en cuir, que c'est même pas du cuir, c'est du tissu croûté qui est imperméabilisé. Mais dessus, il y a un logo, il y a écrit... Louis Vuitton, ça vaut 40 euros à fabriquer. Mais ils vendent ça 4000. Et les gens se l'arrachent. Parce que ça veut dire, regarde, j'ai un sac à 4000. Ça ne sert qu'à ça. Donc voilà, ils ont réutilisé la même recette en se disant, mais tu crois que les gens sont assez débiles pour acheter un truc 10 fois plus cher que ce qu'il y a sur le marché et qui est moins bien, il n'a pas de batterie. Non, tu crois qu'ils sont cons à ce point-là? Ouais, on va essayer. Putain, ça marche! Les gens sont des débiles! Ils ont raison. C'est des génies! Ah oui, je revendais des iPhone 3 à l'époque. Ah, mais tu peux en vendre tout ce que tu veux, c'est des abrutis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils étaient même pétés, ils étaient contents. Mais ils étaient contents. Mais c'est normal! Ça sert à se la péter. Ça ne sert qu'à ça. C'est signe ostentatoire de richesse. Donc, même s'il ne fonctionne pas, de toute façon, ça ne fonctionne pas de base. Il est pété, ça ne change rien. Ah non, mais n'en parlons pas. Vous avez écouté ma mauvaise foi, et puis après, vous allez aller dans le milieu professionnel de l'informatique, et vous allez voir les gens qui ont des Apple. Et là, vous allez dire, ah non, c'est pas possible, c'est quoi cette merde ? Ah,
Ça sert à se la péter, c'est tout. C'est comme un garagiste, tu lui amènes une Venturi, tu lui amènes une Lamborghini, et tu vas dire, mais c'est quoi ces merdes? C'est irréparable, ça pète tous les 200 km, ouais. Mais ça vaut 1 million. C'est tout. Voilà, donc excusez-moi de cette digression. J'en étais à Windows. Voilà, Windows, le DOS, ben voilà. Démocratisation. Je viens de voir sur un parlant de Windows 3.11. Oui. On peut faire installer Windows 3.11 sur Vertical Windows. Ben, si tu veux, fais-le. Si t'as envie. Je vais le voir. Je dois t'avouer que ça fait longtemps que je ne l'installe plus. Oui, parce que j'en ai pas trop l'utilité. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Moi, je suis plutôt dans l'objectif milieu professionnel. Je crois qu'il y a assez peu d'entreprises qui fonctionnent encore sur Windows 3.11. Mais pour l'honneur, vous pouvez l'installer si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vaut mieux regarder une vidéo YouTube de à quoi ça ressemble Windows 3.11. Si vous voulez, hein. C'est vous qui voyez. Mais j'ai envie de dire, c'est là que ça a commencé. Alors, les choses sérieuses, ils ont commencé avec Windows 3.1. C'est vraiment là, ça s'est démocratisé. C'est là où vraiment on a commencé à utiliser les PC. Windows 3.1, il a été remplacé par la révolution Windows 95. Alors là, c'était plus la même chose. Parce que quand Windows 95 est sorti, le menu démarrer est sorti avec lui. L'arrivée du menu démarrer, c'est avec Windows 95. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on s'en sert encore. Donc l'interface que vous connaissez aujourd'hui, eh ben il commence à avoir une paire d'années, on est bientôt sur 30 ans. Hein. Ça fête ses 30 ans. Donc Windows 95, c'était génial, parce que c'est un système qui intégrait tout ce dont on avait besoin. Quand vous installiez Windows 95, vous aviez plus besoin de rien. C'était facile à installer. Ça intégrait des technologies toutes nouvelles qui s'appellent. Alors déjà, est-ce que c'est du 32 bits? Eh ben non. Comme le reste, c'est vendu comme du 32 bits, mais c'est un faux 32 bits. Parce que le noyau de Windows 95, je vous le donne en mille, c'est le DOS. Donc c'est pareil, quand vous installiez Windows 95, il installait le DOS d'abord. Puis il rajoutait une couche 16 bits et une couche 32 bits. Autant vous dire qu'à cette époque-là, pour ceux qui l'ont connu, ça plantait pas mal. Mais, c'était pas cher. C'était combien un PC déjà? 2000 euros. Ouais, c'était dans ces eaux-là. Alors, ça va peut-être choquer quelques-uns d'entre vous, mais Windows c'est payant. Non, tu dis pas c'était cher, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours payant Windows. C'était cher. Ah, c'était cher? Ben non, justement. C'était pas cher. Non, mais tu rigoles. C'est 150 euros, la licence. Merde, je me suis fait. Même pas d'ailleurs, même pas. 100 euros. Ça coûtait dans une centaine d'euros. Alors quand t'as payé ta machine 2000 euros, 100 balles, ça va. Ça va, c'est. Enfin, c'est très très peu. C'est 5% de la valeur du truc. Donc tu te dis, voilà, c'était pas cher, c'était bien. Ça permettait d'avoir quand même un système d'exploitation. Parce que, question, tout ce dont je suis en train de parler là, Windows 10, 3.1, 3.10, Windows 95, tout ce dont on va parler, à quoi ça sert un système d'exploitation? Pourquoi vous installez un système d'exploitation? Oui. J'ai une question. Quand tu dis que tu es en sous-couche, enfin, tu es sur du 8 bits, oui, en DOS, oui, quand tu rajoutes une couche 16 bits, oui, entre guillemets, comment tu peux faire du 16 bits alors que tu n'as que du 8? Eh ben t'en fais pas. C'est du faux 16 bits. D'accord. Mais... C'est, tes instructions 16 bits, elles sont redécoupées en deux instructions 8 bits. Ouais, donc ça fait perdre du temps à mort. Tout à fait, tout à fait, c'est de la merde. Mais sur la boîte, il y a écrit 32 bits. 32. Et ouais. Ça, c'est le marketing qui vient là-dedans derrière. Donc je disais, à quoi sert un système d'exploitation, selon vous? Utiliser des programmes. Exactement. Ça ne sert qu'à ça. Pourquoi j'installe un système d'exploitation? Parce que je veux lancer Oxygen Not Included. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce logiciel-là. J'ai besoin de Word. Word tout seul ne peut pas fonctionner. Il a besoin d'un système d'exploitation pour s'installer. J'ai besoin de mon logiciel de compta.
il ne peut pas fonctionner tout seul. Il doit s'installer avec un système d'exploitation. J'ai besoin d'installer Photoshop, etc. Ils ne servent qu'à ça. L'avantage de ces systèmes DOS, c'est qu'ils étaient faciles à installer. Ces systèmes Windows, pardon. C'était facile à installer, ils étaient ergonomiques, et on pouvait facilement installer des logiciels. L'install de Windows, elle a toujours été... Alors, à partir de Windows 95, pardon. À partir de Windows 95, ça a toujours été très simple. En général, c'est suivant, 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 terminé. Donc vous n'avez rien à faire, ça s'installe tout seul. Le défaut de ce système-là, Windows 95, bah c'est comme c'était 8 bits plus 16 bits plus 32 bits, c'était pas super performant, c'est vrai. Et c'était pas super stable. Ça plantait régulièrement. À cause de cet empilage, en fait, de couches. Mais au moins, ça existait et c'était pas cher. Donc on était bien content d'avoir ça. Autre problématique de Windows 95, ça a intégré des technologies récentes pour l'époque. Salut Kamel. Dont celle-ci. Vous ne devez pas savoir ce que ça veut dire. PNP, c'est le plug and play. Qu'est-ce que c'est plug and play? Je branche et je joue. Très bien. Non, le driver s'installe tout seul. Non, c'est pas ça. C'est la détection automatique du matériel, le plug and play. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutiez du matériel à un ordinateur, il le détectait. Et si on avait du bol, s'il reconnaissait le pilote, il l'installait automatiquement. Mais ça, c'était plutôt rare. Mais ça existait pour certains, mais il fallait souvent rajouter le pilote à la main. Mais au moins, il détectait le matériel. Parce que ça, avant, donc je vous parle de Windows 3.1, etc., le matériel n'était pas détecté automatiquement. Il fallait l'installer à la main, matériau par matériau. Il fallait dire, j'ai une carte vidéo, telle carte, je l'installais. J'ai une carte réseau, telle carte, je l'installais. J'ai une carte son, telle carte, je l'installais. Donc, c'était pas terrible. Quand Windows 95 est arrivé, alléluia, vous installiez Windows, vous démarriez Windows, il vous listait tout le matériel qu'il avait détecté et il l'installait potentiellement. Donc ça, c'était très chouette. Mais c'était une nouvelle technologie qui n'était pas tout à fait au point. Ça faisait des petits plantages. Il faut que vous alliez chercher sur Internet la démonstration qu'a fait Bill Gates du plug and play. Pour la petite histoire, il a fait une réunion avec des journalistes, show à l'américaine. Hein. Vous voyez à peu près ce que c'est les shows à l'américaine. On y va, les lumières, la scène, oh, Pom-Pom Girl, Mondiovision, toutes les chaînes de télé invitées, etc. Et Bill Gates qui dit, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité plug and play. L'idée, c'était, il avait un PC, il y avait un scanner, et il a dit, je vais brancher le scanner, il va être détecté automatiquement et il va s'installer tout seul. Il branche le scanner, Windows planté, redémarrage. Ah, c'était pas terrible plug and play. Et ce qui lui est arrivé, bon, moi ça m'est arrivé plein de fois. On branchait quelque chose, on faisait une prière. En espérant que ça fasse pas planter Windows. Et ça arrivait de nombreuses fois. Pourquoi? À cause du millefeuille. À cause du 32 bits converti en 16 bits, converti en 8 bits. Parce que le noyau, c'est un noyau 8 bits. Donc c'était du bricolage. Mais encore une fois, ça existait quand même. C'était pas super stable, mais ça permettait de détecter facilement le matériel sans se prendre la tête. Ça l'installait automatiquement. On était super contents. Windows 95, il a été remplacé par 98. Windows 98, effectivement. On est toujours sur du faux 32 bits. Toujours le même noyau, etc. Donc, qu'a amené Windows 98 par rapport à Windows 95? Quelles ont été les nouvelles fonctionnalités de ouf pris en charge par Windows 95 que ne prenait pas Windows 98 que prenait pas 95? Que dalle. Rien du tout. Pas ouf, hein. Soi-disant, il était plus rapide. Soi-disant, il était plus stable. Soi-disant, il reconnaissait mieux le matériel. Bon, j'ai mis soi-disant au début de chaque ligne, hein. Parce que, bon, c'était pas ouf, enfin. Tu voyais pas vraiment de différence, surtout que l'interface graphique, c'était quasiment le même. Le menu démarrer, c'était le menu démarrer, la barre des tâches, tout était déjà inventé. Ah bon. Ça a été qu'une évolution. Éventuellement, allez, parce que ça vous fait plaisir, je vous donne un petit os à ronger. C'est toujours du DOS, hein.
il y a eu la prise en charge de l'USB à ce moment-là. Ça va vous étonner, mais à cette époque-là, on n'avait pas d'USB. Les ports USB, ça démarrait à peine. On avait d'autres ports de communication, les ports parallèles, les ports série, les ports PS2. On avait d'autres types de ports qui aujourd'hui sont abandonnés. Hein. On est tout en USB partout. Donc c'est arrivé à ce moment-là l'USB avec Windows 98. C'était un des intérêts. Mais c'était pas fou. Windows 98, il a été remplacé par qui ? 98 SE. Oui, quoi ? 98 SE. Ah non, oui, alors si tu veux, il y a eu deux versions de Windows. Windows 95, il y en a eu trois, hein, des versions. Windows, hein. On va pas faire seconde édition, non, c'est pas une vraie version. Windows Millennium ? Le fameux Millennium. Millennium, qu'on a appelé ME. Qui est toujours un faux 32 bits. Qui est toujours à base du DOS, etc. Le noyau, c'était toujours un noyau de DOS. Et alors, pour l'histoire, alors, c'est assez facile. Windows 95 est sorti en quelle année ? Windows 98, il est sorti en quelle année ? Pas mal. Millennium, il est sorti en quelle année ? En 2000. Donc, pour la petite histoire, vous imaginez les développeurs de chez Microsoft qui travaillent dans une cave, hein. Normal, ils sont tous dans une cave à l'abri de la lumière, on les met là, ils développent leur logiciel. Et on est en 98, ils viennent de sortir Windows 98. Donc ils travaillent sur le prochain Windows. Et 2 ans plus tard, il n'est pas prêt. C'est trop court. Vous voyez qu'entre 95 et 98, il y a eu pas mal d'années, puis il faut trouver des nouvelles technologies, il faut sortir quelque chose d'intéressant. Et là, c'était pas prêt. Et il y a le service marketing qui est descendu dans la cave qui a dit « C'est l'an 2000, faut qu'on sorte un truc. » Et là, les développeurs, ils ont dit « Mais c'est pas prêt ce qu'on a. » Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les mecs du marketing ? Ils ont dit « Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase ? C'est l'an 2000, on sort quelque chose. Donc, vous nous pondez quelque chose. » Et là, les développeurs, ils ont répondu « Mais c'est pas prêt ce qu'on a. » Et là, les mecs du marketing, ils ont dit « Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase ? On sort quelque chose. » Point. C'était pas une question. Il y avait un point d'exclamation à la fin. Donc, ils ont pris ben, le truc pas fini. Une bouse. Ben, pas terminé. Et ils ont fait un joli paquet cadeau. C'est Millennium, c'est le nouveau Windows qui vient de sortir. Génial. Donc, on va se retrouver avec Millennium qui est apparemment sur le podium des pires systèmes d'exploitation jamais développés par Microsoft. À croire qu'il y avait un planteur automatique intégré dedans. Si au bout de 2 heures, Windows n'avait pas planté, il plantait tout seul. Ça redémarrait, pas pourquoi. C'est... Il ne faut pas parler de Millennium aux anciens qui l'ont connu, parce qu'ils sont assez traumatisés. En général, ça se passe mal. C'est un peu comme quand tu parles de la batterie à quelqu'un qui a un iPhone. Pas lui parler de ça, tu vois, il sait que c'est... Ah non, là, c'est dans la catégorie catastrophe. Ben là, Millennium, c'était ça. C'était, il fallait sortir quelque chose pour l'an 2000. C'était obligé. Et ils ont fait de la merde. De toute façon, moi, je me rappelais qu'à l'époque, je mettais toujours Windows 95, alors tout était en version 98. Je préférais avoir la dernière version de 95 que le tout premier 98. Mmh. Après, et ainsi de suite. Et finalement, à chaque fois, on payait les pots cassés. À chaque fois. C'est toujours pareil. Est-ce que ça a changé ? Non. Je ne sais pas. Non. Alors, bon, tout ça, c'est quand même bien de la merde. Mais je vous rappelle, c'est pas cher. C'est bien cher. Voilà. T'achètes un système pas cher, bah t'en as pour ton argent. Finalement. C'est pas cher, mais au moins, on pouvait quand même utiliser nos PC, installer nos jeux. On a pu jouer à Doom avec ça. Eh ouais ! On a pu jouer à Civilization. Les premiers jeux, bah, c'était là-dessus qu'on jouait. Et on était bien contents. Bon, c'est sûr qu'en pleine LAN, bon, t'as la Windows qui plante, t'étais un peu dégoûté. Mais au moins, bah, tu pouvais le faire. Oui. C'était quoi la concurrence à cette époque-là ? Ça, c'était le bas de gamme, enfin le bas de gamme, le moins cher, quoi. Il y avait quelque chose qui était valait plus cher. Ouais. T'as... Alors, attends, il y avait quelque chose de moins cher que ça ? Non, plus cher, justement. Ah bah oui, mais t'avais Apple. Il y avait que ça, il y avait que Microsoft et Apple, quoi. Dans l'état actuel de mes connaissances, oui. Ok. Il n'y avait que ça. Et c'était plus stable, du coup, Apple ? Je ne prononcerai pas. Faudra demander à Gilles. Et IBM ? Ah, Gilles, il est Linux et Apple ? Il est Linux et Apple, non, il est que Linux.
Oui, pourquoi je t'ai dit il faut demander à Gilles? Je dis n'importe quoi, moi. Mais bah non, faut pas demander à Gilles. Bah non, Gilles, il va dire que c'était de la merde. Aussi, faudrait demander. Ben, je sais pas trop à qui demander. Il est pas là. Lui, il a du Mac? Il est pas du Mac. Ah, oui, mais est-ce qu'il a connu les premiers? Oui, mais il va dire qu'évidemment, ça plantait jamais. Oui. Oui. Ben, vu le prix que tu le payais, parce que là, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est 5 fois plus cher, hein, les Macs. Hein. Donc, c'est 5 fois plus stable, on va dire. On va dire que ça plantait pas. On va dire ça. Ouais, t'en avais pour ton argent. Alors après, la problématique d'Apple, ils faisaient des ordinateurs puissants, avec du matériel de très bonne qualité, avec un système d'exploitation super, sauf qu'il n'y avait pas de logiciel installé dedans. C'est ça le problème. Il n'y avait que dalle. C'est-à-dire que dans l'univers Apple, t'as, je sais pas, peut-être 50 fois moins de logiciels que dans l'univers Windows. C'est normal. Quand tu es un développeur et que tu veux créer un logiciel, tu vas le créer pour le système d'exploitation pas cher que 90% de la planète utilise, ou tu vas faire ton logiciel pour les 10% de riches qui ont pu se payer un truc à 50 000 euros. Tu fais pour qui d'abord? En premier, tu développes pour qui? Sur le gros chiffre. Sur le gros chiffre. Donc c'est pour ça que à cette époque-là, il y avait énormément de choses qui fonctionnaient sous Windows. Et ben ça fonctionnait pas sous Apple. Ça n'existait même pas en fait. Ça n'existait même pas. Donc la plupart des gens, ben, ils sont partis sur Windows. C'est pour ça que Windows a tout éclaté. Parce que c'était eux qui étaient les moins chers. Donc les plus répandus. Donc les développeurs, ils ont travaillé d'abord dans l'environnement Windows. Évidemment. Mais oui, il y a des gens qui travaillaient sous Apple. Les rares personnes qui travaillaient sous Apple. Ceux qui avaient énormément d'argent. Ce qui n'est pas la plupart des gens. Déjà, c'était quand même un peu cher, hein, les PC, les premiers. Mais par contre, en parallèle de cette merde, donc j'ai dit c'était pour installer les jeux, ça peut planter, c'est pas grave, il y avait les entreprises. Parce que moi qui suis un professionnel, j'ai pas envie que les ordinateurs de mes salariés, ils plantent, qu'ils perdent leur travail de la journée, la comptable, elle peut pas bosser, le PC, il plante 3 fois par jour. Ah non, ça c'est pas entendable. Donc chez Microsoft, ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc pas trop pourri pour les entreprises. Et donc à l'époque des premiers Windows, en fait, il y a eu deux branches. Il y a eu la branche des Windows pas chers, on va dire pour les particuliers, et il y a eu la branche des Windows chers pour les entreprises. Et ça porte un nom. Ça s'appelle les systèmes Windows NT. Pour les entreprises, il y avait des systèmes Windows NT. Donc en parallèle, quand vous étiez au début des années 90, vous pouviez soit acheter un Windows pour votre petit PC à la maison, soit quand vous êtes une entreprise, vous achetez Windows NT. Et ce Windows NT, il y a eu plusieurs versions, mais la première qui a été connue, c'est Windows NT 351. C'est-à-dire que vous aviez la possibilité, vous alliez dans un magasin, vous dites « Bonjour, je voudrais acheter Windows ». Il doit vous répondre lequel. Vous voulez acheter Windows 3.11 pour votre PC à la maison? Ou vous voulez acheter Windows NT 351 Workstation pour votre superbe ordinateur professionnel? Et là, vous dites, je sais pas, ça se ressemble. Parce que si je vous montrais les deux, là, je vous montre l'interface graphique, c'est le même. Et je vais vous demander le prix. On avait dit que c'était combien? C'était 150 euros pour Windows 3.1. Workstation, c'est 1500. Ah! Donc vous êtes en train de me dire que si j'achète Windows 3.1, dessus je vais pouvoir installer mon logiciel de comptage, je vais pouvoir installer Word, Excel, etc. Et si j'achète NT 351 Workstation, je vais pouvoir installer Word, Excel et mon logiciel de compta. Oui, mais ce Workstation, il plantera jamais. Alors, je prends lequel? Parce que c'était vrai. Ah, parce que là, attention, ça, c'est plus du DOS. Hein. Les systèmes NT 351 Workstation, c'est du 32 bits pur. Là, ils ont dit, on fait un système stable, fiable, performant, qui ne plante jamais. Et donc, tout ce qui est système NT, ça ne plante pas. Et je vous expliquerai pourquoi ça ne plante pas. Donc, vous aviez le choix. Les entreprises achetaient
NT351 Workstation et l'installer sur les PC de bureau. Et les particuliers, ils achetaient Windows 3.1 pour leur PC à la maison. Là où Microsoft a eu un coup de génie, c'est comme je vous l'ai dit, les interfaces graphiques étaient les mêmes. Ça veut dire que vous êtes au travail, vous lancez vos logiciels, vous travaillez dans Windows, vous êtes habitué à une interface. Vous allez chez vous, vous avez la même. C'est la même interface, c'est les mêmes icônes, ça va se comporter pratiquement de la même façon. Et c'est ce qui a fait que Windows s'est retrouvé partout. Parce que vous aviez la même interface partout. Vous aviez la même logique, la même fonctionnalité, les mêmes clics, les mêmes icônes, tout était pareil. Il y a juste le noyau du système qui n'était pas pareil. Là où ça changeait, c'était pour les populations comme les vôtres, les techniciens, qui devaient installer les systèmes, c'était pas les mêmes types d'installation. C'était pas le même fonctionnement tout à fait entre les deux. Mais pour Brigitte, pour un utilisateur lambda, c'était la même chose. Il ne voyait pas la différence. Et donc chaque système particulier, personnel, a eu un équivalent professionnel. Donc le Windows 3.11 a eu la version NT351. Windows 95 a eu l'équivalent qui s'est appelé NT4. Workstation toujours. Donc c'est pareil, quand vous aviez acheté un Windows, en 1995-96, on vous proposait soit Windows 95, soit NT4 Workstation. Et tout ça, c'est du 32 bits. Alors, je vous ai parlé de la mésaventure de Bill Gates quand il a présenté dans Windows 95 le plug and play, que ça avait planté. Comme c'était une techno qui n'était pas très aboutie, dans les versions NT, ça y est pas. C'est pas du plug and play. Ils l'ont pas implémenté, c'était trop risqué, c'était trop instable. Donc ces versions-là, elles n'étaient pas plug and play. Donc il fallait installer tous les pilotes à la main. Il fallait détecter tout le matériel soi-même. C'était un petit peu la misère, mais au moins, c'était stable. C'était fiable, c'était performant. Installé par le BIOS, du coup Non, dans Windows. C'était dans Windows, fallait pas faire détecter le matériel, il fallait faire installer le matériel. Ouais. Et fallait dire ce que t'installais. Si tu savais pas qu'il y avait une carte son dans la machine, pas de carte son. Aucune détection automatique. Ah, c'était la misère. Et encore en parallèle de tout ça, je vais faire quoi? Je vais charger ça là. Je vous ai parlé des clients, voilà. Mais dans la vie, il n'y a pas que les postes de travail dans les réseaux informatiques. Maintenant, vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Eh bien, bien sûr qu'il y a des serveurs. Donc, vous aviez aussi la version NT351 serveur. Donc, vous pouviez installer soit Windows 3.1 pour les PC à la maison, soit NT351 pour un poste de travail pour un utilisateur, soit NT351 serveur sur une machine qui servira de serveur, DHCP ou ce que vous voulez. Et évidemment, vous avez eu la même chose pour NT4, vous aviez aussi la version serveur. Windows 98 est arrivé. Ils n'ont pas fait évoluer NT4. NT4 Workstation, c'est resté NT4 Workstation. NT4 Server, c'est resté NT4 Server. Pourquoi? Mais parce que dans les entreprises, comme la licence, on la paye extrêmement cher, on espère que ça va durer plus de 2 ans, sans avoir à changer de système d'exploitation. La révolution est arrivée quand ils ont sorti Millennium. Je vous ai dit qu'ils ont sorti une belle merde pour les PC à la maison. Mais dans le milieu professionnel, ils ne pouvaient pas se permettre. Parce que surtout, ça faisait longtemps, hein. NT4, il était sorti 5 ans avant. En 5 ans, ils ont eu le temps quand même de bosser et de faire un nouveau système d'exploitation pour les entreprises qui s'est appelé Windows 2000 Professionnel. Et vous avez eu l'équivalent en face. C'était Windows 2000 Serveur. Non, pas du tout. Voilà. Donc vous aviez
en l'an 2000, la possibilité d'acheter Windows Millennium dégueulasse pour votre PC à la maison, Windows 2000 professionnel pour votre entreprise, et Windows 2000 serveur pour vos serveurs. Alors pourquoi je dis que c'est la révolution Windows 2000 Pro ? Parce qu'avec Windows 2000 Pro est arrivé le plug and play et l'USB. C'était suffisamment abouti comme technologie pour que quand Windows 2000 il est arrivé, il y avait dedans le plug and play, il y avait dedans la prise en charge de l'USB. Et vous aviez un système, c'est, je ne l'écris pas, mais maintenant ça, ce sera la même chose à chaque fois, hein. C'est un 32 bits pur. Hein. Donc tout ça c'est du 32 bits, il n'y a pas de DOS en dessous. Hein. C'est des vrais systèmes stables, fiables, performants. Et quand j'ai connu moi la sortie de Windows 2000 Pro, quand il est sorti, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu ce que ça faisait, j'ai dit bah c'est fini. C'est bon, ils ont plié le game. Un peu comme quand la Switch elle est sortie de Nintendo. Quand la Nintendo Switch est sortie, j'ai dit bah c'est fini. Fera rien de mieux. Ils ont le concept qui tue. Et là, bah c'est pareil. Le Windows 2000 Pro, il plantait jamais. Il était très facile d'utilisation, très facile d'installation. Tous les Windows que vous avez aujourd'hui sont des héritiers de Windows 2000 Pro. Depuis Windows 2000 Pro, ils n'ont rien inventé. Il n'y a rien eu de nouveau. Rien, c'est fini. On pourrait aujourd'hui continuer d'avoir des Windows 2000 Pro. Parce que, je vous rappelle quelle est l'utilité d'un système d'exploitation, ça sert à faire fonctionner des logiciels. C'est tout. Tout ce que j'ai fait moi quand Windows 2000 Pro est sorti, aujourd'hui, je fais la même chose. J'ai eu aucune différence. C'est tout pareil. Ça n'a pas changé. Tout le reste depuis Windows 2000 Pro, c'est que du marketing. C'est tout. C'est un petit peu de puissance en plus, si tu veux. Mais c'est des évolutions, si tu veux. Il y a eu des évolutions, mais la révolution, c'est Windows 2000. Ouais. Ça, vraiment, moi, j'ai connu avant, après, non, mais ça n'a plus rien à voir. Ça a plus rien à... Depuis, ça évolue, ouais, c'est un peu plus joli. Bah, ils ont mis le menu démarrer en bas au lieu de le mettre à gauche. Ah ouais, la couleur du fond d'écran, c'est plus la même. Mais rien n'a changé. Voilà, c'est fini. On évolue. On évolue un peu. Et du coup, c'est que 64 par rapport au 32. C'est plus puissant, c'est tout. Oui. Mais c'est pas la révolution. Non, oui, c'est dans ton flingue, t'as un chargeur 15 balles. Bon, bah maintenant t'as un chargeur 30 balles. Mais ça reste un flingue qui tire, hein, ça change pas. Hein. Ta voiture, oui, bon, bah j'avais 150 chevaux. Bon, bah j'en ai 300. Oui, oui, mais ça reste ta voiture. Tu vois, t'as pas complètement changé. Quand t'es passé de la calèche à la voiture, putain, ça c'est une putain de révolution. Hein. Ça reste des moyens de transport. Mais c'est, ça peut rien avoir. Après. Voiture, elle vole un peu, mais c'est pas vraiment une révolution. Voilà, c'est fini. Ça va? Ouais, je vais vous mettre la suite, mais il n'y a plus d'intérêt la suite. Avec Windows 2000 serveur est arrivé un petit truc aussi qui s'appelle Active Directory. On va passer 2 semaines dessus, Active Directory. Hein. Donc autant vous dire que c'est un gros morceau. Ça fait 25 ans qu'on l'utilise, Active Directory. Pour ça, il y en a partout. Mais c'est arrivé avec Windows 2000. Avant, il y avait d'autres systèmes. Sous NT4, c'était autre chose. Mais l'an 2000, c'était la révolution de l'informatique. Parce qu'après l'an 2000, c'est le drama. Le drama arrive. Vous êtes prêts? Qui c'est qui a remplacé Millennium? Faux. Vista. Faux. Rien n'a remplacé Millennium. Ces systèmes DOS dégueulasses là, qui étaient tout, qui plantaient, le noyau était pourri, enfin c'était un noyau 8 bits. Ils ont fini par se dire, il faudrait peut-être qu'on arrête ces conneries là. Et ben ils ont arrêté. Ça veut dire que là, ça c'est fini. Les systèmes à base de DOS, les faux 32 bits, se sont arrêtés à Millennium. Donc ils sont passés à des systèmes vrais 32 bits, des vrais noyaux stables, fiables, performants, pour les particuliers. Et la révolution, le drame,
ça a été Windows XP. Parce que Windows XP, il est sorti en plusieurs versions. Vous aviez Windows XP Famille, Family, hein? Windows XP Family. Mais vous aviez aussi Windows XP Professionnel. Ah. Et vous aviez serveur Windows XP? Non, vous n'avez pas serveur XP. Vous n'avez pas de serveur Windows XP. Vous avez, il s'est appelé serveur 2003. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est arrivé en 2003. Les systèmes Millennium, ils sont remplacés par XP Family. Alors, ça vous paraît pas stressant? Bah, le problème, c'est que c'est un pur noyau 32 bits Windows XP. Donc, les pilotes qui fonctionnaient avant sous Millennium 98 ne fonctionnent plus sur Windows XP. C'est plus du tout les mêmes. Il faut un vrai pilote 32 bits pour Windows XP. Et à cette époque-là, il y a eu des drames. Et ouais, il y a eu du matériel qui fonctionnait très bien sur Windows 98, qui fonctionnait plus du tout sur Windows XP. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pilote 32 bits pour ces matériaux. En 1998, 99, même en l'an 2000, vous achetiez Millennium, vous achetiez un PC tout neuf à 2000€, vous achetiez une belle imprimante avec, elle fonctionnait parfaitement sur Millennium. Ah tiens, Windows XP vient de sortir. Vous effacez votre Millennium, vous installez Windows XP, aucun problème. Votre imprimante n'est pas détectée. Votre imprimante n'est pas installée. Vous contactez le fabricant de l'imprimante. Bonjour, j'ai Windows XP. Réponse, ah désolé, on n'a pas développé les pilotes pour Windows XP. Vous voulez dire que l'imprimante que j'ai achetée il y a un an, je dois la jeter? Oui, mais on vous fait un prix sur la nouvelle imprimante. Et parce que vous devez acheter une nouvelle imprimante. Et donc, à cette époque-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fabricants qui n'ont pas joué le jeu. Je ne sais pas trop pourquoi. Qui n'ont pas voulu développer les pilotes de leurs matériaux pour qu'ils fonctionnent sur Windows XP. Est-ce que ce serait pour obliger les gens à acheter des nouveaux matériaux? Non, je crois pas, ça ne peut pas être ça. C'est pas l'argent qui les motiverait. Non, il devait y avoir un problème technologique, je pense. Ça devait être plutôt ça, une contrainte liée au développement en 32 bits qui était plus compliqué. Et ils ont fabriqué des nouveaux modèles d'imprimantes compatibles 32 bits, bien sûr. Donc là, autant vous dire que ça a beaucoup, beaucoup gueulé à ce moment-là. Beaucoup de gens disaient Windows, bah, c'est de la merde, c'est du vol. Je suis passé à Windows XP, tout mon matos de Windows 2000, de Windows Millennium ou 98, ça fonctionnait plus. On a entendu des centaines de fois. Mon imprimante, elle fonctionnait très bien sous 98, elle fonctionne pas sous XP. Oui, c'était vrai. Bah, c'est la faute du fabricant de l'imprimante. Hein. C'est pas de la faute de Windows XP. Hein. Mais c'est Microsoft qui a pris plein la gueule à ce moment-là. C'était vrai aussi pour des logiciels. Vous aviez des versions de logiciels pour Windows 98 parce qu'ils fonctionnaient avec un noyau 8 bits. Alors que pour que ça fonctionne sous Windows XP, il fallait un noyau 32 bits pur. Donc il fallait des logiciels développés en 32 bits. À cette époque-là, dans les magasins, vous achetiez un antivirus. Il y avait deux versions. Vous aviez la version antivirus pour Windows 98 et vous aviez la version antivirus pour Windows XP. C'était pas la même. Vous pouviez pas installer la XP sous 98 et la 98 sous XP. Donc ça a été la révolution. Ça a été la révolution. Mais depuis que vous avez Windows XP à la maison, ça plante plus jamais. Ce qui fait planter depuis cette époque-là les ordinateurs, c'est le matériel. Si vous avez des écrans bleus, des plantages, c'est votre matériel le problème. C'est plus les logiciels. Bon. Il y a eu un prix à payer. Il a fallu faire la bascule entre les deux. Ça a été un moment difficile. Mais aujourd'hui, c'est fini Windows qui plante. À l'époque de Millennium, Windows qui plante, c'est tous les jours. Hein. C'était normal, c'était le quotidien. Aujourd'hui, qui a son Windows qui plante tous les jours? Bah, personne. Ça fait 20 ans que Windows il plante plus du tout. Jamais. Ou exception faite du matos. Bah, c'est pour ça que je veux changer ton ordinateur. C'est le matériel qui fait planter Windows.
C'est plus les logiciels. Donc à cette époque-là, Windows familial, XP Pro. Alors, donc version familiale, version professionnelle et version serveur. Depuis donc 2003, ça va être ça à chaque nouvelle mouture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau client, vous avez une version familiale, une version professionnelle et une version serveur. Vous avez les trois tout le temps qui se sont mis en parallèle à chaque fois. Donc lorsque mon Windows XP, il a été mis à jour, remplacé, Monsieur Marketing a dit « Ah, il nous faut un nouveau client. Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est qui a remplacé Windows XP ? Vista. Quoi ? Vista. Je n'entends pas ce que tu dis. V-I-S-T-A. Merda. Non, merda. Bon, je suis obligé de l'écrire. Donc toujours pareil, la version familiale, toujours la version professionnelle. Et Christophe ? Oui, c'est moi. Du coup, les différences de prix, c'était comment ? Vu que maintenant, la Family, c'était déjà en train de rupture. Ah oui ! C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, ça. Du côté des professionnels, là, c'était combien la licence ? 1500. Du côté particulier, c'était combien ? 150. Ouais, c'était, voilà, 10 fois moins cher. Donc, quand on arrive là, là. Bonjour, je voudrais acheter XP Pro. Oh, c'est 1500, bah, bon, comme les versions d'avant, de toute façon. Ah, mais je vois qu'il y a un autre XP, dis donc. Ah oui, ce XP Family, il est à combien ? Bah, il est à 150. Parce que c'était impensable de dire « Bonjour, on a un produit, 150 euros. Ah, voilà son remplaçant, 1500. » Pardon ? J'ai pas bien compris ce que vous avez dit, là. Les gens, c'est nous, à la maison, on n'aurait jamais acheté Windows XP si tu étais à ce prix-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait deux versions. La version Pro et la version familiale. La version familiale, elle est pas chère. La version pro, elle est chère. Alors là, la vraie douille, c'est que le noyau, c'est le même. Les pilotes dont je vous ai parlé, c'est les mêmes. Les logiciels, c'est les mêmes. Vous achetez pas un logiciel, je reprends l'exemple de l'antivirus, vous achetez pas un antivirus pour Windows familial ou Windows Pro. C'est pour Windows XP, point. Le pilote, c'est pour Windows XP, point. Alors, attends. C'est le même noyau, c'est les mêmes pilotes, c'est les mêmes logiciels. J'ai quand même l'impression que c'est un peu la même chose là. C'est ça, ouais. Pourquoi il y en a un qui est 10 fois plus cher ? C'est à cause d'Active Directory. Donc c'est quelque chose que vous devez intégrer dans vos notes. Les versions familiales, tout ce qui vient de la version familiale, la phrase que vous devez connaître c'est « ça ne s'intègre pas dans un domaine Active Directory ». Donc, toutes les versions Windows familiales ne peuvent pas s'intégrer dans un domaine Active Directory. Pour le moment, vous ne savez pas ce que veut dire cette phrase. Vous ne savez pas ce que ça veut dire s'intégrer dans un domaine Active Directory. Mais à partir du moment où on fera Active Directory, vous saurez ce que ça veut dire. À partir du moment où on le fera, je vous demanderai, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des Windows qui ne pouvaient pas s'intégrer dans un domaine Active Directory. Vous devrez me répondre, c'est les versions familiales. C'est la principale différence entre les versions Windows familiales et les versions Windows professionnelles. C'est que les versions professionnelles s'intègrent dans les domaines Active Directory. Et des domaines Active Directory, il y en a dans toutes les boîtes. Donc avec ce petit tips, Microsoft, il a obligé les entreprises à rester avec la version professionnelle. Et il a fait que ça n'a pas été encore plus la révolution, vous imaginez bien, si à l'époque... J'achète mon Windows XP 1500 balles et en plus, faut que je change tout mon matos. Là, c'était trop. Ça aurait été trop. Donc, ce qui fait que les versions familiales de Windows sont toujours moins chères que les versions professionnelles. Alors que, allez, 90% du système, c'est le même. Il y a une autre différence, vous la connaissez déjà. C'est, par exemple, aujourd'hui, Hyper-V. Voilà, vous voulez avoir Hyper-V chez vous, dans les versions familiales, il n'y a pas Hyper-V, dans les versions pro, il y a Hyper-V. Donc vous voyez, il y a quelques petites différences, mais c'est très léger. Il y a quelques fonctionnalités en plus dans la version professionnelle. Mais stabilité, pareil, logiciel, c'est les mêmes. C'est encore une fois avec les versions qu'on dit comment on fait pour continuer à leur vendre à 1500 balles. Si on enlève des options, on les laisse sur l'autre.
C'est ça, c'est ça. Il a fallu trouver une solution pour dire bon bah vous faites douiller mais pas trop. C'est voilà. Ça sert à rien à la famille. Active Directory. C'est bon. On leur met ça. D'ailleurs, il paraîtrait. Alors j'ai vu une vidéo d'un mec sur YouTube qui parlait de ça, qu'il avait vu sur YouTube aussi. Tu vois, c'est un react. Ouais. C'est un mec sur YouTube qui parle d'une vidéo YouTube qui dirait que il y avait des mecs qui avaient réussi à modifier les versions familiales pour les intégrer dans les domaines. Soi-disant. Bon. Je garantis plus la stabilité du système si tu fais ça. Hein. C'est vrai, j'ai acheté une voiture diesel, mais je mets de l'essence dedans. Et ça marche. Ah bon? Oula. Comment t'as fait? Il fallait qu'il soit très costaud. Parce que... C'est le début, peut-être que c'était possible à cette époque-là. Ah, tu vois. Bon, ça... C'est pas fait pour... Et surtout, mais c'est pas fait pour être fait à grande échelle. Tu peux tout à fait le faire si tu bricoles, t'as 3 PC, pourquoi pas. Mais t'imagines les grosses boîtes qui ont des centaines d'ordinateurs, mais prends pas le risque. Pas le risque. Tu fais sauter la garantie hein, si tu fais ça. Tu sais, le texte où tout en bas il y a écrit j'accepte, ça vous dit quelque chose ça? Il y a du texte au-dessus, hein. Ça dit vous n'avez pas le droit de modifier le noyau. Hein. Vous n'avez pas le droit de changer la cartographie de vos moteurs des voitures, hein. C'est interdit ça. Vous n'avez pas le droit. Mais ils ont des sous, voilà. Ils ont toujours payé comme ça. Évidemment. Bon, tant pis. Voilà, donc c'était surtout pour vous expliquer la différence et pourquoi il y a une différence entre la version professionnelle de Windows et la version familiale. Parce qu'il fallait justifier que bah, ce soit 10 fois moins cher. Donc ils ont enlevé des fonctionnalités. En général, c'est ça. Sur les versions pro, vous pouvez tout faire. Sur les versions familiales, il y a un peu moins de choses. Il y a quelques trucs en moins. Mais qui sont en général pour les entreprises. Hein. C'est ça l'intérêt. Donc Vista Pro. C'est 2008. Windows Vista, il est rentré. C'est qui l'a remplacé? Vista, il n'y a pas un mot quoi. Non, rien. Comment ça, il n'y a pas un mot? Un mot de quoi? Un mot de description de la version Vista. J'ai pas envie d'en parler. On est sur le deuxième système d'exploitation, le soi-disant le pire que Microsoft ait jamais fait. Ils ont voulu remplacer l'interface graphique par un navigateur. Donc en fait, à chaque fois que tu cliquais sur des liens, tes icônes, tes logiciels, ils étaient dans des navigateurs. C'est pas terrible. Mais avec Windows Vista, le seul truc qui était bien, c'était le tourniquet. Ah oui. Tu connais Alt-Tab? Ouais. C'est pour aller le bureau là. Ouais. Non, Alt-Tab, ça fait le basculement de tâche, ça s'appelle. Quand tu fais Alt-Tab, ça t'affiche une fenêtre qui te permet de passer d'un logiciel à un autre. Tourner en 3D. Et bien là, il était en 3D comme ça. Il tournait l'un derrière l'autre comme ça. C'était classe, il fallait faire Windows Tab. C'était beau. On avait un PC de merde. Ah bah, il était sur les genoux, ton PC de merde. Nul. Donc Windows Vista, il était remplacé par... XP ? Bah non, mais XP c'était avant. 7. Donc pareil, Windows 7 familial. Ce sera vrai à chaque fois. Windows 7 familial, Windows 7 professional. Et ça a été la version serveur. C'était serveur. C'était, il s'est appelé 2008 R2. Pas pourquoi. Release 2. Windows 7, il était remplacé par le magnifique Windows 8. Familial. Windows 8 Pro. Alors, qu'est-ce qu'il a nous amené le Windows 8? C'était l'époque des tablettes, des téléphones. Et donc Microsoft, il s'est dit, tout le monde va avoir des écrans tactiles maintenant. C'est fini, les PC portables, les PC fixes, on sera que sur des écrans. On n'aura plus de clavier, plus rien. Donc ils ont fait une interface tactile. Utilisable sans la souris en fait. C'était ça l'idée, on faisait tout avec le doigt dedans. Donc ça fait que le menu démarrer, c'était des gros cubes, en fait, c'était des gros carrés, c'était pas très ergonomique avec la souris, mais très pratique avec si tu avais une tablette. Sauf que bon, bah alors aujourd'hui, les tablettes, on est où? Ça a coûté une forte. Gros carton. Et donc, c'est une histoire d'ergonomie. L'ergonomie de Windows 8, elle n'est pas adaptée au clavier souris. Donc c'était un raté. Ils ont cru que
le tactile allait prendre le pas sur tout et que ce serait pratique. Comme on ferait tout avec les doigts, on n'utiliserait plus notre souris. Et ça, quoi. C'est 2012 qui a remplacé, enfin, qui a remplacé serveur de militaire 2. C'était 2012 ? Oui. C'est serveur 2012 qui a une interface comme Windows 8. Alors je vous le mets parce qu'il y a eu Windows 8.1. Pas de. Toujours la même interface dégueulasse. Le serveur, c'était. 2012 R2. Encore une fois, il y a du R2 dans les. Non, il n'y a pas de D2. C'est gentil d'avoir rigolé. Et Windows 8 a été remplacé par Windows 9 ? Non. On est passé donc à la dernière numérotation officielle de Windows. Quand Windows 10 est sorti, Monsieur Marketing il a dit il n'y aura plus jamais d'autres numéros. Il y aura Windows 10. Point. Il n'y aura que des évolutions de Windows 10. C'était une idée. Voilà. Donc pareil, Windows 10 familial, Windows 10 professional, serveur, hop, 2016. Et bien évidemment, Windows 10 a été remplacé par. Mais finalement, on a continué la numérotation. Hein. Non, 12. Je vais trop vite, oh là, excusez-moi, je m'emballe. C'est l'année prochaine, pardon. Non, non, Windows 11, familial, Windows 11 professionnel, serveur 2022, exactement. L'année prochaine sort Windows 12, familial, professionnel, serveur de 2025. Le prochain, ce sera 2025. À quand Windows 13 font-ils oser? C'est à ça qu'on les reconnaît. Ouais, de toute façon, il y a eu l'iPhone 13. Ah oui, c'est bon, on fait Windows 13. Ah ouais, un visionnaire, le mec du marketing. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Alors par contre, le truc à savoir quand même, c'est que Windows 10... Il est arrivé avec Monsieur Marketing qui a dit « Oh, c'est fini, on changera pas de numéro, ce sera Windows 10, Windows 10. » Mais il y a un petit truc derrière Windows 10. Si je vous écris Windows 10 1903, 2004... Ah, c'est les mises à jour. Oui. Alors, c'est les mises à jour majeures. C'est-à-dire que vous allez avoir Windows 10. Alors, c'est vrai pour Windows 11 aussi, hein. Ils ont gardé le même système. Vous avez donc la version principale, c'est Windows 10, c'est Windows 11. Tous les 6 mois, il y a une mise à jour majeure. Donc vous vous retrouvez avec des Windows qui s'appellent Windows 10 ou Windows 11. Mais quand vous regardez les fonctionnalités, quand vous regardez l'interface, eh ben c'est pas la même. Entre deux Windows 10, vous avez des fonctions différentes. Vous avez certaines parties qui ne sont pas les mêmes. Vous avez des logiques de fonctionnement différentes. Parce qu'il y a un Windows 10, ben c'est un 1903. Et il y en a un autre, c'est un 2004. On a encore un troisième, c'est un 21H2. Alors ça se lit facilement, le premier chiffre c'est l'année. C'est l'année du correctif, et avant c'était le mois, puis maintenant c'est le trimestre. On change le mois. Donc vous allez vous retrouver aujourd'hui, tiens, j'ai vu que sur Windows 11... Allez sortir, là, 23 H1 par exemple, ou là, 23 H2. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un client par exemple, sur son ordinateur Brigitte, elle a Windows 11, 22 H1. Et puis vous, sur votre Windows 11, c'est le 23 H2. C'est possible que quand vous compariez les deux, il y a des choses qui soient différentes. Les choses différentes, c'est quoi? Éventuellement des fonctionnalités. Il y en a peut-être une que vous avez. L'explorateur de fichiers, ça vous dit quelque chose? Oui? Voici un explorateur de fichiers. Moi, je suis sur Windows 10.
Est-ce que en haut là, vous avez des onglets? Non. Dans vos explorateurs, vous n'avez pas d'onglets? Si. Oui. Ben, ça veut dire que vous avez un Windows 11 22H2, minimum. C'est une des fonctionnalités qui est apparue récemment dans Windows 11. Si vous avez un Windows 11 première génération, il n'y a pas les onglets dans l'explorateur de fichiers. Vous avez un Windows 10, il n'y a pas les onglets dans l'explorateur de fichiers. Donc il vous faut un Windows 11 récent. Vous voyez, typiquement, c'est ça. Donc c'est là où il faut que vous fassiez très attention, parce que vous pourriez très bien avoir Madame Michu au téléphone, vous dépannez Brigitte, et vous dites à Brigitte, bah, vous allez dans le deuxième onglet de votre explorateur de fichiers, et elle vous dit, bah, j'ai pas d'onglet, moi. Comment ça, vous n'avez pas d'onglet, vous avez Windows 11? Oui, oui, mais lequel? Vous avez le 22H1, le 23H2, etc. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce que autant avant, ah, vous avez Windows XP. Je sais comment est l'interface de Windows XP. Vous avez Windows 8. Oula, alors attendez, alors là, il va y avoir les gros carrés, là. Vous avez, etc. Maintenant, ah, c'est super chiant. Vous avez des fonctionnalités qui disparaissent entre les versions. Vous avez des endroits où ça s'appelle plus pareil. L'air du temps, quelle est la fonctionnalité qui disparaîtra de plus en plus? Le panneau de config, ça vous dit quelque chose? Oui. Ben, c'est ça. La prochaine cible, c'est enlever le panneau de configuration. Donc, vous risquez de vous retrouver avec des panneaux de configuration qui ne sont pas les mêmes, suivant la version de Windows que vous avez. C'est une question d'ergonomie, question de je sais pas quoi. J'étais pas là à la réunion quand ils l'ont décidé. Alors, je peux pas trop te dire, et puis ils ont pas encore envoyé le rapport. Donc, faites très attention à ça. Bien sûr, c'est gratuit, tout à fait. Alors, ce qui est payant, c'est les versions majeures. Tu veux passer de Windows 10 à Windows 11, c'est pas la même licence. Donc, ça, c'est payant. De Windows 10 à Windows 11, de Windows 11 à Windows 12, de Windows 12 à Windows 13, voilà. Chaque fois que tu fais ça, tu glow up ta licence, celle-là, elle est payante. Mais passer de la 21H2 à 21H3, c'est Windows Update qui le fait. C'est une mise à jour normale de ton Windows. Et t'as une obligation Pro aussi. T'as ? Il y a une obligation, par exemple, je suis une entreprise, j'achète Windows 10 Pro. Oui. Ils mettent à jour, après ils me disent, ah, attendez, il y a la 11 qui est vachement mieux. Non. Alors, sur quoi ils jouent ? Il n'y a aucune obligation. Vous avez acheté Windows 1.0. Tu peux continuer d'utiliser aujourd'hui Windows 1.0. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui va faire la bascule? Pourquoi? Sur quoi ils vont jouer pour t'obliger à faire la bascule? C'est les logiciels, bien sûr. C'est les logiciels. Et les logiciels eux-mêmes, les développeurs de logiciels, eh ben, ils sont main dans la main avec Windows, avec Linux, avec macOS, avec ce que tu veux, parce que tout le monde y gagne. C'est gagnant-gagnant pour les deux. Ils vont te dire, la nouvelle version de Photoshop ne fonctionne que sur Windows 12. Voilà, il faut Windows 12. Mais pourquoi il faut Windows 12? Je vous ai dit, un système d'exploitation, ça sert à faire fonctionner les logiciels. Et depuis Windows 2000, on n'a pas fait mieux. Il faut que ça tourne. Le mot qui fait tout changer, c'est la sécurité. Ils vont te dire, oui, mais sur Windows 12, tu as la nouvelle version du .NET Framework, machin bidule, qui, elle, a corrigé toutes les failles de sécurité de celui d'avant. C'est ça qu'ils font. La bascule se fait avec la sécurité. Vous avez déjà entendu parler des failles de sécurité, je suppose. Oui. Les failles de sécurité sont corrigées comment? Des patchs, des correctifs, des mises à jour, et tout ce qu'on veut. Oui. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Microsoft garantit les mises à jour de ses systèmes d'exploitation jusqu'à un certain délai. Aujourd'hui, tu installes Windows 8. Très bien. Il fonctionne parfaitement. Et tes logiciels, ils fonctionnent aussi. Il n'y a plus aucune mise à jour de sécurité pour Windows 8. Toutes les failles de sécurité qui sont détectées aujourd'hui dans Windows 8 ne seront jamais bouchées. Donc toutes tes failles de sécurité resteront ouvertes tout le temps. Moi, en tant qu'éditeur de logiciels, je vais dire, hein, Photoshop, il ne fonctionne pas sur Windows 8. Ah bah non, pas le nouveau. C'est trop risqué. Je veux pas que tu installes mon super logiciel sur un système d'exploitation qui a un vrai gruyère. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils vont te dire, oui, vous avez Windows 8, vous aurez les mises à jour jusqu'en 2020.
À partir de 2020, il n'y a plus aucune mise à jour de sécurité fournie par Microsoft, évidemment, pour Windows 8. Tu peux continuer d'utiliser Windows 8, aucun problème. À tes risques et périls. Et il se trouve que, alors, c'est certainement le fruit du hasard, mais en général, la maintenance de Windows 8, les mises à jour de sécurité de Windows 8 s'arrêtent en 2020. En général, en janvier 2021, des énormes failles de sécurité de Windows 8 voient le jour, sont découvertes par des puissantes équipes de hackers. Hein. Attention, les mecs, ça bosse. Hein. Alors là, en général, janvier, là, c'est... Oh, on a découvert... Dis donc, on a échappé à ça pendant de nombreuses années, alors qu'il y avait des trous énormes. Et bien évidemment, ces trous ne seront jamais comblés, vu que la maintenance de Windows 8 s'arrêtait en 2020. C'était prévu, c'est écrit dans le contrat que vous avez signé le en bas là, où il écrit j'accepte. Ah, vous les avez acceptés. Par contre, on fait des prix sur Windows 10. Si tu veux, en ce moment, il y a des promos. Vous allez vous y intéresser, mais c'est toujours très cocasse. Dès que la maintenance officielle d'un système d'exploitation arrive à terme, le mois suivant, bam, ça explose de partout. Ah, là, attention, là, vous allez tous mourir. Donc, ils jouent là-dessus. Dans quelques temps, Windows 11 ne sera plus maintenu, entre guillemets, par Microsoft, ce qui veut dire qu'ils ne fourniront plus les patchs de sécurité, les correctifs. Il n'y en aura plus un seul. Et est-ce que les entreprises prennent le risque? Et non. Les entreprises, elles passent au système d'après. En général, c'est 10 ans. Hein, tu as 10 ans de correctifs. Pour les systèmes d'exploitation Microsoft, vous avez 5 ans pour le grand public. Vous et moi, c'est donc gratuit. Compris dans le prix, on va dire, plutôt, compris dans la licence. Pour les entreprises, c'est toujours proposer des extensions. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise, tu vas pouvoir, moyennant financer évidemment, une extension de mise à jour pour les correctifs de sécurité, et c'est pareil jusqu'à un certain moment. Les entreprises, elles vont pouvoir rajouter 5 ans, et au bout de 10 ans, c'est fini. Même si tu payes, terminado. Donc en général, les entreprises, ils ont comme ça des systèmes de roulement, de mise à jour des systèmes, qui sont pas du tout parce qu'ils veulent le dernier. Ils veulent juste continuer d'avoir un système d'exploitation garanti. C'est tout. Comme quoi les informaticiens, c'est tout ce qu'ils veulent. Ah bah c'est des malins, hein. Après je sais pas d'où c'est sorti. Donc vous allez avoir des gens qui vont vous dire, mais depuis Windows 2000, on n'a rien inventé sous Windows. Et c'est vrai. C'est des failles de sécurité. Ouais, c'est ça qui a été inventé. Ils ont inventé plus de failles de sécurité pour vendre plus de... On joue sur la peur. C'est ça, ils jouent sur la... Alors, je pense que ces failles de sécurité, elles existent évidemment. Elles existent, mais elles doivent être putain de bien cachées quand même. Parce que pour pas qu'elles aient été trouvées avant. Et d'ailleurs, quand on me dit quel est le système d'exploitation le plus sûr, c'est Windows le plus sûr. Pourquoi c'est le plus sûr? Parce que c'est le plus attaqué. Vous imaginez bien que le système vendu par Microsoft, pourquoi il est corrigé aussi souvent? Parce qu'il est énormément attaqué. Donc il corrige énormément de failles de sécurité. En particulier quand les entreprises payent. Vous avez payé l'extension de garantie, c'est pour que ça fonctionne, hein, le truc. Hein. Donc c'est super sécur. Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi vous participerez certainement, dans votre vie informatique, à des campagnes de mise à jour de système d'exploitation. L'entreprise avait Windows 10. La maintenance du système d'exploitation a expiré. Ils ont payé l'extension jusqu'au moment où Microsoft dit « Mais vous payez tout ce que vous voulez, c'est fini Windows 10. » Et ben là, vous allez souvent devoir passer sur tous les PC de l'entreprise et tous les Windows 10, il faut les remplacer par un... Alors souvent il y a un saut d'une version. Comme ça dure 10 ans à peu près, les durées de vie sont inférieures pour les nouveaux systèmes. Le grand classique, ce sera « On a Windows 10 encore aujourd'hui, on attend d'aller jusqu'au bout de Windows 10. » Et quand Windows 10, là, on ne pourra plus payer pour avoir la maintenance, on passera à Windows 12. Souvent, ils zappent l'étape Windows 11. Encore une fois, pourquoi? Pour gagner 10 ans d'usage. Voilà, ils vont partir sur le tout dernier, comme ça, pendant 10 ans. Ils savent qu'ils n'auront pas à remettre à jour leur système. C'est ce qu'on fait à des personnes. J'avais Windows 7. Oui, attention, il n'y a plus rien. On fait plus rien. Oui, c'est bien. Après, j'avais des vieux logiciels. Voilà! On reste toujours dans la question, à quoi il sert? J'achète un nouveau truc, le logiciel
Enfin, ils disent, ben non. Voilà, c'est trop vieux. Et pourquoi c'est trop vieux? Parce que vous n'avez pas assez de logiciels sécurisés dedans, le système d'exploitation, puis tout ce qui tourne autour. Hein. Les navigateurs, aujourd'hui, on ne peut plus les mettre à jour quand on a un trop vieux Windows. Donc quand tu as un trop vieux navigateur, tu ne peux plus aller sur les sites internet récents. Ils vont te dire, ah non, vous ne pouvez pas surfer sur ce site-là parce que votre navigateur est trop vieux. Pourquoi il est trop vieux? Parce que votre OS est trop vieux. Le pire, c'est les tablettes. On change tout. Le pire, c'est les tablettes parce qu'en fait, ils ne les mettent plus à jour. Ah oui, les tablettes, c'est pas... Et du coup, tu peux même pas leur mettre des systèmes pour pouvoir mettre... Ouais. Parce qu'on peut même pas regarder YouTube ou quoi, c'est terminé. C'est fini. Et la tablette, tu peux pas la mettre à jour, c'est les pilotes. Ouais. Ils font exprès de pas développer les pilotes pour les anciennes versions d'Android ou d'iOS. Alors Apple, c'est pire. Tu finis par la jeter. Mais je pense que c'est pour ça que le marché de la tablette n'explose pas autant qu'il aurait dû. Parce qu'ils ont un peu trop... La durée de vie est trop faible pour les tablettes. Ah bah ouais, ouais. Ah bah oui, oui. Donc voilà pour la petite histoire. Vous avez des questions? Voici pour l'histoire de Windows. Donc, votre vie informatique aujourd'hui, quand même, ça devrait commencer à Windows 10. Hein. C'est pas impossible que vous croisiez épisodiquement des Windows 8, des Windows 7. Si vous croisez des vieux systèmes, ceux d'avant du XP, du Windows 95, en général, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que ce qu'il fait fonctionner ne marche que là-dessus. Les deux exemples, ce sera, on a un vieux logiciel de contact qu'on est obligé de garder légalement. Parce qu'on travaille pour une société financière et légalement, c'est 50 ans d'archives. Bien sûr, on a changé de version de logiciel de contact, mais ce vieux logiciel de contact, il faut qu'on le garde, la loi nous oblige. Ça peut être ça. L'autre, c'est dans l'industrie. C'est un Windows 95 qui commande la chaîne d'embouteillage des bouteilles. Voilà, ça a été développé comme ça. Le logiciel d'embouteillage, il tourne sur Windows 95. Il y a une carte dans l'ordinateur qui commande les automates. Et bien sûr, changer ça, c'est 10 millions d'euros. Parce qu'il faut changer toute la chaîne, bien sûr. C'est pas que l'ordinateur, c'est pas que le logiciel. C'est la carte, c'est l'interface, et bien sûr, le fabricant qui a fabriqué tout ça, il a déposé le bilan, il faut passer par un nouveau fabricant. Le nouveau fabricant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je reprends rien de l'ancien. Je vous refais une nouvelle chaîne toute neuve, 10 millions de dollars. Ah, bon, bah, on va essayer de faire fonctionner tout ça le plus longtemps possible. Hein. Même si c'est un Windows 95, on le fait survivre. Voilà, à part des exemples exotiques comme ça, qui sont en général justifiés, hein. Soit à cause du logiciel, soit à cause du matériel, vous aurez que du Windows 10. Hein. Votre quotidien, ce sera le Windows 10 qui arrive en fin de vie. Hein, faut le savoir, ça y est, la maintenance, c'est terminé. Donc, les entreprises vont devoir de force migrer et passer leur Windows 10 soit en Windows 11, soit il y en a qui freinent encore et qui disent on attend Windows 12 pour faire voilà, le grand saut d'un coup. Ce sera possible. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai pour les serveurs aussi, hein, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les... Ah, c'est pire encore, hein, parce que sur les serveurs, depuis Windows 2000 Server Active Directory, il y a zéro nouveauté. Hein. Alors Active Directory, ça a été la révolution. Depuis, il n'y a rien. Rien, que dalle. Que dalle. Tout ce que je vais vous apprendre sur Active Directory, ça existait déjà sous Windows 2000. Ça fait 25 ans que je fais le même cours. Ça n'a pas évolué. Et c'est normal. C'est une tuerie, ils ont plié le game avec ça. C'est chaud quand même, en 20 ans ils n'ont pas... Il n'y a pas besoin. Justement, en général, tout ça, ça correspond aux besoins des entreprises. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Bon, il y a des bricoles, je dis y a rien, j'exagère un petit peu. Mais c'est anecdotique. Ce qu'il y a. Les failles de sécurité, ce qu'on fait. Ah, peut-être, il y a des failles qui traînent depuis de nombreuses années. Ah bah oui, heureusement. À se demander qui les invente. À mon avis, tu vois, t'as la cave où il y a les développeurs et puis il y a la cave en dessous de la cave des développeurs. Voilà, c'est eux qui créent les petits bouts de code. Rajoutez ça dans le code de Windows. Mais c'est... Non, cherchez pas à savoir ce que c'est. Rajoutez-le. Vous saurez ça en temps et en heure. Voilà, vous saurez ça dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est prévu. Cette ligne de code, vous allez la remarquer. Hop, elle repartira à ce moment-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des hackers qui s'amusaient à transformer, à améliorer, à mettre d'autres choses sur les Windows. Enfin, il y a plein de gens qui font ça. Enfin, c'est pas des hackers, hein.
Non, c'est pas des hackers. C'est pas des hackers qui font ça. C'est des optimizers. Voilà, ouais. Ah bah ça, il y a beaucoup de solutions pour optimiser Windows. Vista, c'était trop lourd, donc ils ont... Comme le grand son, ils ont enlevé des choses dessus. Ah bah on peut enlever plein de choses dans Windows. Hein. Après, c'est parce que moi je trouve que c'est ça la force de Windows, c'est quand tu l'installes, il y a déjà tout. Donc c'est l'avantage. Parce que t'as très peu de choses à installer en plus en tant que système d'exploitation. Sous Linux, c'est tout le contraire. Quand tu l'installes, il n'y a rien. Tu dois ajouter tous les paquets que tu veux. C'est deux philosophies différentes, mais ça fait qu'évidemment, Windows c'est plus lourd. Vu qu'il y a tout dedans. Ah, t'as déjà, t'as la clim, t'as l'ABS, t'as l'ESP, t'as 7 places, t'as un grand coffre, t'as tout dedans. Hein. Pourquoi ils proposent familial et pro et différents prix? Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? C'est ce que j'ai expliqué. La sécurité? Non. T'as pas entendu quand j'ai parlé d'Active Directory? Si. Je vous ai demandé de noter une phrase en rouge. Elle dit quoi cette phrase que t'as notée? De quoi? La phrase sur l'explication de la différence entre Windows familial et professionnel. Tu l'as pas noté? Non, les Windows familiales ne peuvent pas s'intégrer dans les domaines Active Directory. Oui, oui, c'est tout. Voilà, c'est ça. Point. Et il y a quelques fonctionnalités en moins dans les versions familiales. Voilà, comme c'est Hyper-V. C'est ça, le truc en moins, en fait. Il y a quelques trucs en moins, mais très peu, hein. Ouais, voilà. Très peu de choses en moins. Hein. Parce que c'est surtout, ça empêche les professionnels de quitter la version pro. Parce qu'on ne peut pas les intégrer dans Active Directory, dans les domaines Active Directory. C'est pour ça. Les coquins, ils sont forts. Ils sont forts, les salauds. Putain de commerciaux. C'est bon. Si on allait boire des cigarettes. En chocolat, évidemment. Hein. Fumer est très mauvais pour la santé. Fumez-tu, je vous le rappelle. Et buvez du café avec modération, bien sûr. Je sais pas s'il est arrivé, modération, encore. On va voir. Ah bah moi, de toute façon, je lui prépare toujours un verre pour lui, au cas où il arrive. Et bah, comme il est pas là, bah, je le bois. Hein. On va pas gâcher. On va pas gâcher du bon alcool. Allez, à toutes!